Isi manga salomuntu, gina si manga somuntu, basi karvare, owa, gichwalela, amachala, inhliziyo yami, isi twelo kumbonga, lomuntu, basi karvare. Nizohlala ngimlenda zabuye Nizosibongela kuye Uye Nizosibongela kuye Uye 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 Nizosibongela kuye Tandazane makulwa Siatandaz Sianilela Sur les traces du patrimoine historique de Bakel, étape 3, pavillon Renéke. Soyez les bienvenus dans l'enceinte du pavillon Renéke. Bien vrai, appelé pavillon Renéke, mais ça n'a pas été construit par Renéke. Pourquoi ce pavillon porte-t-il le nom de Renéke? Nous allons y revenir après. Visitons ensemble avec Younoussa la vie panoramique de Bakel à partir de l'enceinte du pavillon. Remember, every sound of the drum that you hear is an African beat, and this is the sounds of Africa. This music comes from the Senegal area. It's the sound, it's the music of West Africa. Now listen to the rhythm, listen to the singer. Are you listening? Well, it's a one called Yele, the ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele, the ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. When you hear the Yele, you might say, eh, eh. Listen how the Yele sound a lot like reggae. You know some connection must have been there. Baba Mar. Nous sommes dans l'enceinte du pavillon René Caillé, pavillon qui a été construit en 1887 par le commandant du Soudan français. Mais à partir du travail d'une commission qui a été mise en place, parce que le commandant du Soudan français avait jugé nécessaire que Bakel soit le dépôt des malades du Soudan français désigné au rapatriement. C'est dans ce cadre-là, après plusieurs travaux menés par la commission, ils ont trouvé un cadre idéal, c'était le quartier Liberté Fédère où le pavillon devrait être construit. Et au cours de son voyage sur Tombouctou, René Caillé a eu à séjourner dans ce pavillon où il est tombé malade pendant 3 jours. Et de l'étape de Bakel, il est parti vers Tombouctou. De Tombouctou, après son séjour, parce qu'à l'époque, séjourner en tant que chrétien dans le Tombouctou n'était pas à la portée de n'importe qui. Et les gens, en général, ils ne sortaient pas indemnes, ils étaient sacrifiés ou ils étaient assassinés. C'est dans ce cadre-là, René Caillé a jugé nécessaire de préparer son voyage. Il a appris le Coran dans Saldé, dans la région de Matam, à l'époque. Donc de Saldé, il est venu à Bakel. À partir de Bakel, il est remonté vers le Soudan français.
Quand il est arrivé dans le Soudan français, à partir du Soudan français, il est remonté vers Tombouctou. Parallèlement, la Société géographique de la France avait jugé nécessaire à mettre en place un prix pour tout explorateur qui aura la chance de séjourner à Tombouctou et de revenir chez eux en France, un montant de 1000 francs. Et ce montant de 1000 francs a été finalement, le pari a été gagné par René Caillé. Quand ils ont entendu que René Caillé a atteint Tombouctou et il est remonté vers la France, ce pavillon a été, qui était un sanatorium, est baptisé pavillon René Caillé. Donc René Caillé a séjourné ici à Bakel. D'autres disent que ce pavillon a été construit par René Caillé. Nous, jusque-là, les documents qu'on a eu à parcourir, on nous parle que c'était un sanatorium au départ et que René Caillé a passé a séjourné ici à Bakel. Donc l'histoire, en fonction des sources, la source que j'ai moi, c'est que René Caillé aille à séjourner Bakel. D'autres diront que le pavillon a été construit par Bakel. Là, on est à la recherche de la documentation, on est à la recherche de la vérité. Comme on le dit souvent, la vérité n'est ni à moi ni à toi. Et le devant nous, on est toujours à la recherche de cette vérité. Et en matière d'histoire, la plupart de ces sources, la tradition orale, les sources écrites, les sources muettes, vont nous servir de témoins pour vraiment pouvoir revenir de façon plus humble encore sur l'histoire de ce pavillon, jusque-là appelé pavillon René Caillé, qui était un sanatorium au départ. Et les événements de 1989 ont aidé le soldat aussi sénégalais à pouvoir être là pour vraiment contrôler l'avancée de l'ennemi à partir de la Mauritanie. Un événement très douloureux, je ne veux pas y revenir, mais l'importance aujourd'hui, c'est que ce pavillon a joué un rôle très important dans ce processus, parce qu'une partie même des réfugiés était logée ici dans ce pavillon. Malgré tout, il est là, laissé à lui-même. C'est toute une histoire qui est là. L'endroit où René Caillé a séjourné, l'endroit qui a servi de dépôt pour les malades du Soudan français désignés au rapatriement, aujourd'hui, vraiment, le pavillon est là, laissé à lui-même, au même titre que les autres sites. Donc vraiment, nous invitons tout le monde à venir visiter ce patrimoine. C'est en visitant qu'on peut reconstruire. Ici, Manga Salomon, Dieu, qui naissait Manga. Prochaine étape, les amis de Yunusa, vous qui nous suivez à partir de Bakel, nous serons dans le village de Modinkane, village des marabouts, fief de Rizam Moulamine Dramé, où nous aurons la chance de visiter la tour Bru dans le village des marabouts. Merci. Le monde va se calvarer. Partagez la vidéo. Partagez. Visos bongela kuyeh.